Non mais sérieusement quoi, mais on n'est même plus la risée de la planète, on est le paillasson de la planète. Vous imaginez jusqu'à ce que Dimitri Medvedev sorte des trucs pareils, Macron s'apprête à se rendre à Kiev, mais c'est un trouillard zoologique. Quoi qu'il en soit, je recommande à son bureau de prendre plusieurs paires de caleçons, ça sentira très fort. Je suis désolé, c'est plus fort que moi. PS, j'ai écrit ça ce matin et je n'ai pas eu le temps de le publier. Et le soir, il s'était déjà chié dessus, pauvre France. Non, et puis alors là, puis Marcel en 4-4-2, lui, vous a posté ça juste en dessous. Hein. Allez voir sur Twitter, c'est un truc de fou. Mais on est devenu le paillasson de la planète. Tout le monde se moque de nous. En fait, ce mec-là, quand il parle aujourd'hui, il donne à chaque fois sujet à ce qu'on se moque de lui. Mais est-ce que vous vous rendez compte que le poste qu'il occupe, c'était un poste qui a été occupé par des grands hommes comme le général de Gaulle, par exemple. Mais c'est un truc de fou. Là, il n'y a plus aucune retenue. Et je vous parle même pas de l'interview de Poutine aujourd'hui, quand il a expliqué qu'il est prêt à négocier, mais à négocier avec des mecs qui sont pas sous psychotropes, quoi, tu vois. Donc, réfléchis, tu vois ce que je veux dire? Je veux pas trop en dire ici. La honte, franchement, la honte. Quand je dis que ces gens-là sont des serpillères, ce sont vraiment des serpillères.